Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame la maîtresse. Bonjour, monsieur le professeur. Alors, aujourd'hui, vous avez les personnes ont emporté des objets. Alors, on va commencer par ceux qui ont emporté des objets, si vous voulez nous raconter des anecdotes relatives à ces objets-là, ou juste nous parler, nous montrer ce que les objets et les souvenirs qui s'y rapportent. Alors, je vais commencer. Oh, je vais oui. commencer par madame. Bonjour. Alors, moi, j'ai apporté une paire de gants. Une paire de gants parce que ça représente ce qu'on portait le dimanche. Alors, il fallait avoir chapeau et gants. Et ça a duré longtemps, cette façon de faire-là. Alors, j'ai apporté des gants pour illustrer l'époque où, quand on était jeune, on portait des gants. Puis, qu'est-ce qu'il y avait à l'école quand on n'avait pas de chapeau puis qu'il fallait aller à la confesse le vendredi? Se mettre un Kleenex à la tête. C'est ça. Des affaires de Kleenex, oui, ou je vois le malheur. Nous autres, au couvent, on avait des mantilles, puis c'était un petit mouchoir de dentelle, ça fait que c'était toujours dans nos poches, là. Mais à cette école primaire, oui, j'ai vu ça. Ça, c'est avant les accommodements raisonnables. Oh mon Dieu, oui! Je verrais très bien accompagner ces gants-là par un chapeau de paille. Ah, oh, à part qu'il fallait le chapeau de paille. Neige, pas neige, c'était le chapeau de paille. On est très nerveux. Oui, non, il y avait des rites dans l'année où on étreignait, c'était le printemps à part. Il n'y avait pas juste le chapeau qu'on éprenait avant, qu'il y avait des souliers. On mettait des souliers, oui. Parce que le monde allait la mettre pour voir quelle toilette. Pour voir quelle toilette elle était là-bas. La belle parade. Ben oui. Pour les traîner, hein. Ben oui. Il fallait les traîner. Le monde y allait pour voir tout le monde qu'est-ce qu'il y avait de nouveau. C'est la parade de mode. Oui. Ah oui. Ils sont beaux, vos gants, pour ça. Ils sont beaux, oui. Et puis ici, c'est un bouton. Non, c'est quelque chose, là. Il y avait beaucoup de fantaisie là-dedans. Il y avait beaucoup de fantaisie. C'est toi qui les as tricotés, non? Non, non. Ça pas tricoté, mais comment c'était dans la famille, mais je ne peux pas dire. Si elle avait été blanc, ça aurait été des gants de fille d'Isabelle. Et de communion. Oh. OK. Est-ce qu'on peut passer à vos objets? Surtout mes petites raquettes. Il date à peu près fin des années 40 ou début des années 50. Et c'est un cadeau que ma grand-mère m'a offert, parce que je pense que j'ai tordu un petit peu le bras. Et probablement fait par les Indiens dans le bout de Québec. Et puis, ça fait quelques années que je les traîne, que je les garde. Je vais donner un héritage à quelqu'un qui va peut-être les garder lui aussi. Mais c'est précieux, parce qu'à chaque fois, ben, c'est un souvenir de ma grand-mère, donc c'est à elle que je parle. Juste à répéter quelque chose que j'ai dit la semaine passée. Si vous essayez de ne pas parler tout ça en même temps, surtout quand quelqu'un parle, de respecter le silence des autres, comme ça permet après ça d'avoir un témoignage complet de chacun, puis ça l'aide pour le montage. Peu importe, essayez de ne pas trop taper aussi par terre et de ne pas parler ensemble. Okay, les petits gars, là. Voilà. Non, je ne pointerai pas personne, là. Non, non, mais je vais l'expliquer. Je m'excuse, c'est impoli, mais c'est parce que sa batterie, sa pile est tombée en panne. Il ne pouvait pas comprendre, madame. Ben, je lui ai dit, c'est parce qu'il y a deux piles, une pour son oreille, puis une pour son cœur. Oh! Il a débranché une? Non. Il a que celle du cœur, et ça charge. Là, il t'a oh, ben là. Là, OK, je m'excuse. On revient à vous, madame. On revient à vos souvenirs. On va lire celui-là, là. Parce qu'il est moins. Il est plus récent. Ah, non, mais moi, j'aimerais revenir sur le souvenir. Les raquettes qui ont été faites à un bonbon, la blé. Entre-temps, c'est les ronds de Lorette. C'est ça. C'était à l'époque où, à peu près, l'ensemble des souvenirs au Québec étaient faits made in Japan. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Mm. Quand on faisait le tour de Gaspésie, on achetait toutes sortes de petits objets, puis c'était toujours made in Japan. Mm-hmm. Alors, c'est surprenant que vous ayez des souvenirs de cette époque-là qui soient faits au Québec. Vraiment faits au Québec, ça, je suis sûre de ça. Mais c'était puis la c'est votre grand-mère qui vous l'a donné. Non, mais c'est plausible parce qu'elle dit qu'elle a mis ça chez les Hurons à Québec. Et puis les Hurons, c'était leur spécialité. Oui, oui, c'est possible que ce soit.
C'est au Québec? Oui. Oh, oui, j'en doute pas que c'était au Québec. Oui, ils faisaient des vraies raquettes, bien sûr. Ben, probablement que c'était pour attirer le tourisme. Mm. Fait que, c'est précieux. Madame? Moi, la seule vieille chose que j'ai apportée, c'est moi-même. J'ai la bague, j'ai moi le jonc de ma mère là, dans mon doigt. Ah, oh, ça va bien que votre frère de votre enfant. Un drôle. Là, on arrête. Et, c'est beau, on peut partir? Oui. Parlez pas en même temps. Excusez-moi. Ah, oui, on vous excuse pour votre retard. L'autre chose, c'est de ne pas avoir des conversations en parallèle quand il y a quelqu'un qui parle. Si on n'a jamais fait ça. Non. Est-ce qu'on peut penser que pendant que l'on parle... On peut penser silencieusement. Je ne suis pas capable de faire habituellement, mais... Respirer en silence, et pas dire, j'ai trouvé quelqu'un qui parle plus que moi. C'est bon, on part. Alors, madame, je m'excuse, on vous a coupé, ou vous parliez du jonc de votre mère? J'ai le jonc de ma mère, que c'était marqué hors... Hors quoi, tu dis tantôt? Hors dur, jusqu'à là. Mais là, on regarde dedans, puis il n'y a plus rien qui paraît. Ça fait juste un an que j'avais depuis la droite, parce qu'autrefois, ma mère, elle ne portait pas. Il était caché dans ses archives. C'est Lise, la plus vieille qu'il avait, qui était décédée, qui m'a dit l'œil. Mon seul héritage de ma mère. On reviendra sur les restes tantôt. Monsieur Doucet. Celui-ci. Le jour de ma mère. Le jour de ma mère. Là. Ma mère est morte dernier jour de février l'année passée. Et puis, la veille, on l'avait amenée à l'hôpital. Et puis, quand ils l'ont entrée dans l'appartement, là, l'infirmier qui poussait la charrette, il a dit « Allez-y donc, son jour! » Des fois, ça se fait voler des hôpitaux. Mm. Fait que j'ai enlevé son jonc. Puis je l'ai mis dans mon... La chaîne. Et puis elle est morte quelques jours plus tard. Et personne n'a Alors je l'ai gardé avec moi. C'est une boîte à sonner. Mm. Aussitôt que je fais ça, là, il me revient sonner de ma mère. Mm. Et c'est très, très bon. Mm. Parce que j'ai juste des bons souvenirs de ma mère. Est-ce que tu veux nous en raconter un souvenir de ta mère? Souvenir de ma mère? Oui. Oh mon Dieu. Bien, il y en a plein, mais il n'y en a pas un en particulier qui me revient rapidement comme ça parce qu'elle ne m'a jamais frappé. si elle m'avait frappé un peu, j'aurais quelque chose à vous raconter, mais ma mère, c'était une femme de douceur. Et... Donc, elle t'enversait. Donc, elle t'enversait. Oui. Une sans chagrin. Sans chagrin. C'est comme les sans regrets. Hein. C'est... Ceux qui ont connu sans les sans chagrin. C'est pas de malice, tout le monde. Et non, je me souviens quand j'étais jeune, là, on était trois garçons. C'était toujours nous autres qui avions raison. Elle a passé toujours en dessous du tapis. Elle était prise avec quatre hommes dans la maison, pas de filles. J'ai bien l'impression qu'elle aurait voulu que le dernier soit une fille, il me semble. En tout cas. Est-ce que c'est toi le dernier? Non. Moi, je suis dans le milieu. Les plus vieux, les plus jeunes. Mais non, on pensait à ça après, parce que quand le dernier est venu au monde, j'avais 8 ans. Pas à cet âge-là qu'on va se dire, hein, franchement, j'aimerais ça que ce soit une fille pour tenir compagnie à moi. Hein? C'est plus tard qu'on a pensé à ça. Le gros souvenir que j'ai de ma mère, c'est un mot. Puis là, je sens qu'il va m'échapper. Parce que j'étais malade il y a 4 ans. Et puis, ce qui a résulté de cette maladie-là, c'est que j'ai perdu un gros lot de souvenirs, de mémoire. Et puis, depuis quelques temps, depuis 2 ans, là, j'arrive à vous dire un mot, puis il n'est pas là. Moi, je vois ça, la mémoire, comme un gros buffet avec tous des petits tiroirs. Hein. Puis quand tu as besoin d'un mot, clou, tu rouvres le tiroir. Il n'y a rien dans le tiroir. Oh!
ça, ça fait dur en tabarouette. Mais je me cogne à des tiroirs vides de ce temps-là. Et pendant ce temps-là, ça me donne le temps de chercher le mot. J'ai ouvert quelques autres tiroirs, je ne trouve toujours pas. Mais ça y est, je viens de l'avoir. C'est le mot, c'est bienveillance. La bienveillance, ça, c'était le mot fétiche de ma mère. Et on a découvert, en regardant son testament, l'ouverture de son testament, qu'elle avait mis une moitié de feuille dans le testament sur lequel elle avait écrit à la main une petite phrase pour ses trois enfants qui disait à peu près ceci: j'espère que pendant toute votre vie, vous vous entendrez bien tous les trois ensemble et que, comme mon père et moi, comme mon mari et moi, nous vous l'avons enseigné, vous utiliserez la bienveillance entre vous. Bienveillance, on s'est rendu compte de ça l'hiver passé. C'est un mot tout à fait démodé qu'on n'entend plus jamais. Même des gens en bas de 20 ans, là, on leur demanderait ce que ça veut dire, quoi ça, la bienveillance. Puis je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pourrait nous répondre. Mais quand on y pense un peu, c'est vrai, elle avait raison. Puis depuis ce temps-là, depuis le 28 février 2013, moi, j'en fais mon leitmotiv. Même si des fois je l'oublie, comme mot, c'est drôle. Je demande souvent à Google. Hein. Google, c'est tout. Ça fait que. Non, c'est ça. C'est ça, là, c'est bienveillance. Ma mère, c'était une petite femme douce. Et puis, ça y va comme un gain, ce mot-là, le mot bienveillance. Elle aimait ça, faire plaisir aux autres. Elle aimait ça, aider les autres. C'était pas un gros job pour elle de subir trois garçons qui jouaient au hockey dans la cuisine pendant qu'elle faisait du souper. Qu'on se tirait des rondelles avec des hockey, on y tirait ça entre les jambes, ses armoires. Jamais un mot plus. En tout cas, elle est toujours un petit peu plus loin. Elle savait bien qu'il n'avait pas de plus loin. C'est avec la cuisine qu'on pouvait aller jouer comme ça. Mais, c'est ça. Merci, M. Doucet. Merci. M. Chevalet. Ben, moi, c'est pas la feuille en tant que tête. Les souvenirs, c'est ce qu'il y a sur la feuille. Ben, c'est ceci. C'est la page couverture d'un roman. Livre de poche. Un livre de poche. Vous me demandez peut-être pourquoi. J'aurais pu apporter le livre, mais je me suis promis qu'il ne sortirait jamais de chez moi parce que je ne veux pas l'abîmer. Vous allez comprendre pourquoi. Vous avez parlé d'un souvenir de votre mère, Aline a parlé d'un souvenir de sa mère. Mais moi, c'est un souvenir de mon père. C'est un souvenir qui est encore vivant parce que. Ce truc-là, le livre qui va avec ça, ça a comme été déterminant dans ma vie. Je vous explique comment. Mais en même temps, c'est un souvenir personnel, mais il y a des souvenirs collectifs qui sont rattachés à ce livre-là. Puis on va remonter loin dans le temps. Mon père va avoir 92 ans le 27 mai prochain. Et puis, donc, il est né en 1922. Et puis, comme beaucoup d'hommes de son temps, ben, il n'est pas allé à l'école longtemps. En fait, il a quitté l'école d'une autre façon. Il est allé à l'école dans la rue Saint-Pierre à Sainte-Élisabeth à ce moment-là. Et puis, mon père était plus grand que les autres. Puis un jour, mon grand-père, qui avait une ferme, est passé en voiture avec son cheval. Là, il a vu les enfants en cours de récréation. Il a arrêté son cheval, il est descendu de voiture, puis il est allé chez mon père, puis il a dit: là, à grandeur que toi, tu perds ton temps à l'école, j'ai besoin de toi, ça ferme, tu t'en viens. C'était la fin des études de mon père. Et puis, malgré tout ça, mon père, c'est un homme qui. Je ne sais pas d'où ça lui vient, ça lui vient, puis encore aujourd'hui, malgré ses 91-12 bientôt, là, c'est un homme qui lit beaucoup. Et puis, moi, le souvenir que j'ai, c'est qu'il travaillait juste en face de chez nous. Ceux qui connaissent la ville, à Berthier, il travaillait dans le temps chez Biron.
Et puis on habitait la petite maison derrière. Et puis tous les soirs, quand mon père venait travailler, ben, il prenait le temps de souper. Puis après le souper, c'était sacré, il s'assoyait et il lisait. Ben, dans le temps, ça va rappeler des souvenirs à bien du monde. Il lisait, entre autres, il s'était abonné, là, il fallait les gros livres de sélection du Reader's Digest, là, qui comptait quatre condensés dans le main, là. C'est ce qu'il lisait. Puis moi, de voir mon père lire, ça m'impressionnait. Puis je l'écoutais m'asseoir à terre à côté de lui, puis je le regardais lire. Puis quand j'ai su lire, ne serait-ce qu'un tout petit peu, il s'est dit, ben, peut-être qu'il aimait ça lire aussi. Et puis, il s'est rendu ben, là où est Oscar aujourd'hui. Dans le temps, il y avait une pharmacie, la pharmacie de M. Adrien Charles, qui avait plus la formule drugstore américain que la formule pharmacie-pharmacie. On pouvait manger là, on pouvait... Puis, il vendait des livres. Puis, mon père, je l'ai su bien des années plus tard, lui, ce qui se souvient, c'était fille, c'était le titre. Pierrot, mon ami, trouvait que ça faisait enfant. Puis la page couverture qui représentait une espèce de fête foraine, il connaissait pas que nous, évidemment. Là. Mettons qu'on s'entend que nous, c'est pas exactement une lecture pour les enfants. Et puis, il marche de ça. En pensant que c'était un livre pour enfants. Ça m'a donné une année là-dessus. Le roman, tant que tel, il était écrit à la fin des années 40. Et moi, il m'a acheté ça, je vous dirais, autour de 1953. C'est d'ailleurs un des premiers livres de la collection de livres de poche qui venait d'être créé à ce moment-là. Et puis, je l'ai lu au complet, j'ai strictement rien compris. Je l'ai lu au complet, puis quand mon père a vu que je l'avais lu au complet, puis que j'avais l'air d'avoir... Parce que j'avais rien compris, mais j'avais aimé ça. J'avais 6 ans et 4. Et puis, ben, mon père, vu que j'avais aimé ça, puis que je l'avais lu vite en plus, à toutes les semaines, il me donnait des sous. Puis j'allais chez M. Duchamp, puis je m'achetais un livre. Alors évidemment, ce livre-là, pour moi, il est important. Je ne l'ai jamais relu. Et je me suis promis que jamais je ne le relirai. J'ai des petits morceaux de ce livre-là dans ma tête, puis c'est tout, puis je veux que ça reste comme ça. C'était la bougie d'allumage de ce qui est devenu, ben, ceux qui me connaissent mieux le savent, c'est devenu la bougie d'allumage de ce qui a été ma vie. Les mots, la littérature, tout ça. Puis ce que je trouve extraordinaire là-dedans, c'est que cette passion-là qui m'habite, ben, je la dois à un homme qui avait très peu étudié, qui continue encore aujourd'hui, je le disais tantôt, à lire. Puis c'est lui qui m'a transmis cet amour-là de la lecture. Puis ben, moi, je lui ai rendu un immense merci, évidemment. Je lui ai souvent dit, d'ailleurs. Puis il m'a souvent demandé pourquoi tu ne le relis pas. Ben, coup de passe, ce livre-là, pour moi, là, c'est ça. Ça s'est arrêté là, puis c'est tout. C'est une boîte à souvenirs. Oui. Un peu comme la bague d'Alain, un peu comme... Il y a tellement... Parce que je pourrais continuer pendant des heures quasiment de parler que de ça, là. Il y a tellement de choses qui sont rattachées à ça, là. Puis c'était le point de départ, non seulement de mon amour des livres, mais c'était aussi le point de départ d'une grande complicité avec mon père. Bien, merci beaucoup. Est-ce que je peux lui poser une question? Oui. Ben, la grande roue, là. Oui. Si on pouvait la tourner à l'envers, puis on revenait au moment où ton père t'a offert un livre, si aujourd'hui, il t'avait dit, aimerais-tu mieux un livre ou un téléphone intelligent? Qu'est-ce que tu aurais répondu? Ben, si j'avais été le même gars que je suis, j'aurais répondu le livre. Ouais. Puis, même en sachant ce que c'est, un téléphone intelligent. Oui, même en sachant ce que c'est, là, okay, ben, premièrement, j'en ai pas de téléphone. Ni cellulaire, ni ceci, ni cela. Puis très honnêtement, on a tenté de me convertir au livre électronique. J'ai dit non. Quand j'ouvre un livre, moi, il faut que ça sente un peu l'encre, il faut que ça sente un peu le papier, il faut que ça. Mais. Si tu le lisais aujourd'hui, là, peut-être que ça ne serait pas le même histoire. Mais moi, il reste des petits morceaux, puis je ne veux pas les changer, ces morceaux-là, parce que les morceaux, c'est un souvenir d'enfance, c'est mon père, c'est tout ce qui va avec. Là. C'est ça, c'est important. Puis, puis par la suite aussi, les retours chez M. Duchamp, Godard, qui avait là-dedans, même que quand j'entre au Tosca à l'occasion, là,
C'est fou, chaque fois que j'entre, on dirait que ça sent encore M. Duchesne. C'est sur les bagnoles qui sentent ça. Ben, c'est sûr. Qui avait de la serre, les bonnes cœurs de la serre. Oui, c'est sûr. OK, t'as bon. Comptoir en mer. Oui, un beau comptoir en mer, effectivement. Très bien, voilà. Merci, M. Chevrette, M. Laporte. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a du stock, lui, je m'en veux. On va demeurer dans le domaine littéraire, je pense. C'est ce que j'ai choisi, puis je vais continuer ça, parce que là, après un envolé littéraire semblable, je ne peux pas relever un cassé. Ça, c'est, chez nous, on avait deux livres. Bien, c'est plus qu'un livre, parce que ça, c'est une collection. Il y avait la Bible, puis Populaire Mécanique, ou je sais que ça dit quelque chose, ben oui, en français. Puis, un peu de la même manière, je ne sais pas pourquoi mon père avait acheté ça, parce que chez nous, en dehors du journal, il n'y avait aucun. Puis moi, c'est le livre de mon enfance. Moi, j'ai passé au travers de ça, puis surtout, il est écrit en français, puis comment c'est fait, puis comment est-ce qu'un père s'est fait, puis comment est-ce que. C'était. Tu sais, on est marqué par ces choses-là. Autant que tu es marqué. En fait, pour ceux qui le savent, j'avais un ingénieur, mais tu sais, de là, ma parce que si je me mettais à lire la Bible, j'aurais été un prêtre. J'ai choisi de lire, ouais, plutôt. J'ai lu ça. Je les ai tous lus. Il y en avait, je pense, une douzaine ou une quinzaine. J'ai tous lus. Je disais ça. Puis je voulais savoir comment les choses étaient faites. Puis de là, un peu, ma carrière, ça marque. Puis j'ai fait un ingénieur parce que je voulais savoir comment les choses se construisent, les choses se font. C'est une autre bougie d'allumage. C'est une autre bougie d'allumage. Puis c'est ce matin que moi j'avais choisi autre chose. Puis quand m'est arrivé avec ça, que j'avais complètement oublié, c'est Hélène qui avait ça dans son atelier de sommelier. Puis je pense que ça m'est très cher parce que c'est ça, c'était le point de départ d'un choix de carrière. Puis, dans la même barre que je peux aller dans mes cossins, j'avais également, ça c'est la chose qui m'intéresse, c'est le rasoir de mon père, que quand ma mère est décédée, mes sœurs, ceux que je l'ai déjà conté cette histoire-là, mais mes sœurs, en bonne femme, nous autres, les gars, on est tough, on ne veut pas, tu sais, aller toucher à ça, ils ont dit, bien, ma mère vivait seule, mon père était décédé, depuis quelques années. Fait que mes deux sœurs ont fait le ménage. Fait qu'ils ont pris tout ce que ma mère a demeuré, pour ceux qui l'ont connu, elle demeure à la même place durant 60, 70 ans, 60 ans au moins. Puis, tu sais, elle avait tout accumulé. Puis là, il y avait les maisons, même si elle était petite, là, un paquet. Puis là, ils ont fait une 30, 40 poches de vieilles choses qui jetaient. Puis ça, le vieux rasoir de mon père, tu comprends-tu? Puis moi, je m'en allais à passer, puis je jouais ça dehors, 35, 40 poches. Je fais que j'en ouvre une, puis là, je jouais de rasoir de mon père. Parce que là, je disais à mes sœurs, on jette pas ça. Mais tu sais, c'était un peu malhonnête, parce que pourquoi? Mes sœurs, pour eux, c'était aucun souvenir. Mais pour un enfant, moi, je vois mon père, que les premiers souvenirs que j'ai de mon père, là, c'est, je le vois. Il est en train, puis je lui dis, ça grattait. C'est parce que tu as rasé un doigt. J'ai oui. Ah, oh, c'est les papiers qui avaient ça. Oui, ouais, mais dans le temps, tout le monde se faisait avoir de cette façon-là. Oui, mon père, il en avait un aussi, puis il avait une grande. D'ailleurs, le rasoir nous intéressait moins que la strap, parce que la strap, elle servait à. À ça, mais elle servait à autre chose également. C'est quand tu nous disais, je vais sortir la strap, elle servait à autre chose. Il n'a pas écrit ça au rasoir. Oui, puis ça, c'est ça. C'est, puis il y en avait deux. En fait, c'est ça même. C'est un plus vieux modèle, là, tu sais, tu vois, là, Tarin, là, il tu sais, on n'était pas riche, là, il tapait ses affaires, c'est les deux rasoirs que j'ai récupérés de mon héritage, voilà. Puis moi, j'ai gardé la tasse avec laquelle il mettait son savon pour ça. Ouais. Ouais, parce qu'il y avait une savonnette, un blaireau, ouais, c'est ça. Je me souviens du blaireau. Ça sent pas bon, ça. Ça. Merci, M. Laporte. Il y a ta main, là, parce que c'est pas ça. Ah, ben ça, c'est. Il aiguisait ça. Ah, ça, c'est pour aiguiser.
Ça a bien improvisé. Oui. Pour finir, il faisait mais il faisait son rasoir aussi. Moi, je ne peux pas le faire, là. Mais lui, il faisait ça sur le cuir, puis après ça, il finissait. En rond comme ça, là. Il faisait ça en rond comme ça. Là aussi, ouais. Je sais qu'il l'amenait dessus, là, comme ça. Là, dans son pouce. Mais... Ouais, c'est ça. C'est la lame, il appelait ça une pierre d'Arkansas, ça, je ne sais pas trop. Je vais dire, il venait user, t'as rien, des pierres de même. Là, celle-là, c'est sa dernière. Ça, c'est de la pierre de schiste. Hein? C'est interdit au Québec. Pierre de schiste. Qu'est-ce qu'il y avait comme ça? C'est marqué en dedans, quelque part. Rasoir, c'était fait pour ça. Bon, oui. À l'oxyde. Niagara Falls, Canada. C'est un country canadien. Tu m'as demandé. Non, 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 je me posais la question si pouvait le rasoir, pourquoi tu ne faisais pas avec le fusil? Hein? Le fusil? Ça prend un fusil. Ben, un fusil pour les couteaux, là? Oh non! Moi, je pense que la stop est à l'âge. Ça veut plus la... C'était un bruit, là, pour ceux qui ont entendu ça, c'était comme une musique. Tchik, 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 tchik. Ouais. Il partait ça le matin, là, il tirait son temps. Tchik, tchik, tchik. C'est-tu les straps qui servaient quoi? C'est le barbier que je voyais. C'est pas les straps qui servaient quoi? Non, non, c'est une grosse strap, là, en cuir. Puis quand tu l'as, c'est fait, c'est... Mais c'est ça, il tapait avec ça, il tapait avec ça. Dans les écoles, ils étaient... Ouais. À l'école, c'était des straps et les ballons. Ouais. C'est pas, mais c'est la strap qui aiguisait. Ouais. Ah non, ouais, c'est la strap. Je n'étais pas là. Hein. Ben, juste au sujet des fameuses straps. Moi, il y avait mon ami, Jean-Charles Alston, dont le père était papier. Dont le père était papier. Et puis, moi, je me souviens de M. Armstrong qui. Ouais. Puis il y avait un truc là, comme toi, ta pierre, là, pour ça, c'est fini. La première fois que je suis à la place, c'est lui qui me l'avait fait d'ailleurs. On était content, on a trois poils. T'as rien dit, quoi? Nous autres, quand on a trois poils, ça nous dérange. Parce que c'est pas pareil, hein? Ouais, c'est vrai qu'il était assez. D'autres, t'as des chenoux, non? Ben oui. Ouais. Ben voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Moi, là, disons que la chose première, c'est ce petit livre-là, quand il disait que ces objets rappelaient des nombreux souvenirs. Moi, ça rappelle un peu toutes les années que j'ai passées au couvent, parce que j'ai eu ça j'avais peut-être 12 ans à peu près. Puis c'est le premier cadeau que j'avais, la petite fille d'en face. Puis contrairement, je l'ai relu il y a un an. Puis j'ai trouvé ça cute. Moi, c'est quand je regarde ça, c'est un souvenir qui m'est cher parce que ça me rappelle toutes les années que j'ai passées à l'école. C'est les Sœurs 5 heures à Joliette, de 2e jusqu'à 11e. Puis j'ai juste de bons souvenirs. Fait que c'est très près de moi, puis ça me fait plaisir. Puis d'autant plus, étant une famille de 12, je pense pas qu'on avait beaucoup de livres, hein. Mais j'ai un de mes frères qui achetait des petits romans, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, de X-13, puis Albert Brien, puis tout ça. Mais moi, je les lisais, par exemple. Je les lisais tous, les petits romans-là. Je me dépêchais, puis je lisais. C'était 10 ans, en temps, tu sais, ça, je m'amusais. Fait que ça me rappelle mes belles années d'école. Puis le dictionnaire, ben je l'ai eu, puis je l'ai toujours conservé, parce que j'adore les dictionnaires. J'aime jouer dans les dictionnaires. J'aime fouiller, chercher. J'aurais dû commencer plus tôt, par exemple, mais là, je cherche plus que je cherchais. Ah, tu sais qu'il y a moins de mots dans les petits dictionnaires aujourd'hui, ils sont plus grands. Il y a des mots à chaque année, à chaque phonème, à chaque fois des éditions hein, qui disparaissent, c'est d'autres qui viennent. Il était édité à quelle année? 57, lui. C'est lequel, tu sais? Larousse. T'as Larousse, puis disons que j'ai fait mon école secondaire avec, là, puis je le garde parce qu'il m'est cher, puis ça m'a été donné. Comptons l'anecdote des noms. Oh, ben dedans, c'est l'adolescence, que si tu penses, moi j'écrivais, ça m'appartenait, fait que j'avais un petit gars que j'aimais beaucoup, puis j'écrivais dedans, Rose et André, Rose et Louis, Rose et... puis je marquais l'âge, 12 ans, 13 ans, 15 ans, 16 ans. J'écrivais, c'était... Tu tombais dessus en plus? 12 ans, celle-là, 12 ans? Oui, les... Rose et René. Non, il n'a pas de René, parce que c'est l'âge où ce qu'on dit... Reine. Non, non, ça doit être... Rémi? Rémi. Non. Racine! Ah, oh, René de Racine. Un petit nom, ça, Racine. Racine, non, il y avait Racine qui s'appelle, c'est voyant là. Ah, oui, Racine. Oui. Il y avait des Racines. Ah, moi, c'est pas René, mais je m'arrête. Tu vois, ça ne m'a pas frappé plus que ça.
Lui, on va frapper, mais il y en a que Gérard, c'était l'homme de ma vie, ça. Gérard, je comprends, Gérard. T'avais-tu marié, Gérard? Non, mais je voulais être mariée, hein, puis quand mon petit cœur battait, quand je le voyais à 8 ans, ça fait un bain. Puis quand j'ai eu à l'adolescence, mais j'étais trop gênée, puis... Mais c'est passé. Non, on s'est... comme ça, puis on s'est revus une fois en faisant du ski de fond, puis on s'est salués, mais on a parlé un petit peu, mais pas beaucoup. Il était divorcé, puis moi aussi. Mais on s'est pas... On a resté aussi gêné, je pense. C'est ça. Moi, c'est des petites brides, hein. C'est pas long, mon affaire, parce que je suis comme un... J'aime pas le thème, j'allais dire, je suis comme une petite poule qui picore, à un moment donné. On dirait que je prends le meilleur, puis je vais pas à surface beaucoup, là, moi, parce que je m'intéresse à trop de choses pour aller en profondeur, parce que j'avais pas le temps de vivre. Alors, j'aime tout. Parce que tu avais des frères, hein, fait que mes frères de sang, là, mes soeurs, je tenais plus avec mes frères, fait que le côté de sport qui était très, très fort et développé aussi, mais il y a un petit côté de fille qui est resté là, c'est évident, mais je suis intéressée à tous les sports, puis à tous les genres de musique, puis à tous les genres de... Tu sais, dans la vie, là, tu peux me dire, on va-tu telle affaire? Oui, je vais aimer autant le classique que je vais aimer le théâtre, que je vais aimer... que je vais aimer jouer au baseball, que je vais aimer jouer au beat, n'importe quoi, tu sais. Je m'intéresse à tout. Le jouet que vous avez dans le monde. Là, je m'amuse parce que ça, c'est un petit jouet, c'était il y a plusieurs années. C'est que tu joues à deux ou à trois, peu importe le nom. Il y a une paille noire, puis quand tu le... J'appelle ça une paille, mais bâtonnet. Puis tu laisses tomber. Puis à un moment donné, le truc, c'est des... Là, ici, c'est pas assez grand. Le truc, c'est de soulever... Sans toucher. Sans toucher, sans faire bouger une autre... paille. Puis quand tu as bougé, tu as fait bouger une paille, par exemple, celle-là, tu te regardes, là, je l'ai bougée, mais normalement, tu la prends, là, je l'ai pris comme il faut. C'est pas demain que tu fais ça. Regarde, là, c'est sur le bord que tu fais ça. Tu pèses sur le bout, là, puis ça lève. Avec ton doigt. Avec mon doigt, puis avec la paille. C'est ça. T'as-tu joué avec Gérard? Non, ça, je vois pas ça. Mais j'ai joué à beaucoup de choses avec, mais ça. Non, pas joué au docteur. Non. Moi, je l'embrasse séparé. Oh! T'as quelle part, c'est marqué, ça? Là, j'ai de la couleur, là. Tantôt, tu sais qu'elle t'a gênée. Je suis gênée, gars! Là, t'étais une petite tubésie comme dans le temps, là, c'est un peu comme aujourd'hui, là. Mais tu fais quoi? Ah, ben, je suis tombé dessus. Je suis tombé dessus. Rose et Gérard, je te jure. Oui. Oh, ben, ça, c'est bien écrit, hein, c'est avec tes planètes. Avec tes planètes, oh, pas là. C'est le 14 du 15 que je l'ai embrassé, c'est marqué. Non, 14-15 ans, non? Ben, c'est à peu près ça. Ouais. Hey, tu l'aimes, t'as rouge 14-15, 16-17-18. Ben, je voulais toujours le garder. Ben oui, Gérard, là. S'étale le soleil, évidemment. Ah oui. Aïe. C'est la première amour. C'est le premier amour. Je passais à pied, j'avais peut-être 7-8 ans, puis quand je passais sur le balcon, le petit cœur faisait... j'avais espéré que ce soit d'or. Hey, c'est les années... Ça, je trouve ça beau. Hey, c'est toutes les belles. Ouais, il y en a même une depuis là. Ah, non. Non, elle est encore là, mais c'est... T'as dit qu'elle est plus planète, excusez, elle va aller tuer. Là, tu l'ouvres souvent à la même page. C'était celui qui était plus marquant. Ben oui, Rose et Gérard, c'est touchant. Alors, merci. Les lettres sont plus grosses. Toi, t'étais venu, ça. Ben, c'est ça, t'en fais ça. Lui, c'était mon petit prince, c'était mon petit... Je l'appelais le notaire, puis lui m'appelait la petite Rose, Thierose. Contrairement à d'autres qui me disaient des noms pas gentils, on m'a fait choquer Thierose, puis autre chose. Puis Tifric, parce que Tifric, c'est un gars qui passait le circulaire, qui était rouge, qui avait l'air de guignou, tu sais. Il me faisait enrager, lui m'a toujours dit des beaux petits mots, il m'a toujours appelé Thierose. Donc, vous lui avez parlé quand même, à Gérard? Quand plus tard? Et quand j'étais jeune, ben oui, on était toujours ensemble. Ah, oui. Oui, Gérard, on s'amusait ensemble. Il y avait mes deux frères, il y avait une petite fille, il y avait moi, puis il y avait le beau Gérard qui était là, puis on était toujours ensemble quand il était là. On jouait aux billes, on faisait des glissades en hiver, du patin, on faisait du camping, on allait à la pêche. Mais c'est des jeux très sains. On jouait pas au docteur, non. En campagne, ça jouait plus au docteur, mais en ville, ça jouait moins au docteur. Vous étiez ici à Vertique?
Non, moi j'étais à Joliette, à Joliette. Mais à Saint-Ambroise, ça je vois, les petits gars étaient plus vieux, les autres ils connaissaient ça, les docteurs. Ça n'a pas été école longtemps, mais tout le monde voulait que je faisais le médecin. Tout le monde était médecin de pratique. Il y avait plus d'infirmières dans ce temps-là. Hein? Ouais. C'est ça. C'est bon. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des souvenirs, même si vous n'avez pas apporté quelque chose? Oui, mais quand j'ai déménagé, j'ai tout acheté. Mais avez-vous des souvenirs, une anecdote que vous amenez votre premier amour pour vous, c'était quoi? Oh mon Dieu Seigneur! Hein, pas lui! Pas lui, vous êtes tombé en amour direct avec le Christ! Ouais! Ah. J'étais là, j'étais en Christ! Non, moi je travaillais sur des miettes, puis mon mari travaillait là, lui aussi. Puis moi je collais des allumettes. On les enveloppait par dose, les petites boîtes, puis on collait les bouts. Mm-hmm. Puis quand mon mari passait au remouet, il prenait le pinceau, il mettait dans la colle, mais à l'envers. Ouais. Fait que j'étais tout le temps choquée après lui, mais un moment donné, il me s'était choqué, puis on a sorti ensemble. Puis... Marier. Je marie. Hein? T'as dit, tu veux coller, on va te coller, mon homme. Pardon? On va te coller. Oui, oui. J'ai dit, tu veux me coller, on va se coller, mon homme. C'est ça, vous l'avez collé aussi. Mais lui aussi m'a collé. Vous avez resté collé combien de temps ensemble? Oh, mon Dieu, attends. On s'est marié en 49. Lui, il est décédé en 85. Puis moi, j'étais encore là. On avait 13 ans de différence, fait que moi, je suis plus vieille. Il disait tout le temps, j'ai marié une femme plus vieille pour faire avoir soin de moi quand j'étais malade. C'est ça qui est arrivé. C'était avec ma belle-mère. Je te disais que ma belle-mère était avec ça pendant un temps. Mais moi, je disais pas un mot. Elle m'a donné un voyage grossier. Vous êtes encore enceinte. On ne parlait pas, elle n'avait peur. Le premier, ça a passé, puis le deuxième, encore? Elle les comptait. Hein? Elle les comptait. Ah, t'as permis, oui. Elle les comptait, certain. Elle m'a donné, elle est décédée, puis on est resté tout seul. On a travaillé pareil à Chute d'Allumette. Mais ta belle-mère, elle avait eu combien d'enfants? Elle avait eu combien d'enfants, ta belle-mère? La belle-mère, elle en avait un. Oh, wow. Il était plus unique. Oh. Il y avait un, son petit chouchou. Ouais, c'était rare dans ce temps-là, par exemple, un enfant. Oui, ouais. Ah, mon Dieu, oui. Puis moi, avec les deux. Puis c'était quoi le nom de votre mari? Pardon? Son nom? Mon mari? Charles-Édouard Latour. Latour. Il l'appelait Charlot. Il l'appelait Charlot, oui. Ouais, ça restait marié avec tout le temps. Vous étiez à Berthier ou à Saint-Ignace? Non, on n'avait pas de parents. Il n'y a pas de parents. Non, mais vous demeuriez où, à Berthier? À Berthier, à Berthier, non. À Berthier. Mon mari, moi, on restait à Berthier dans la ville. Après, on s'est passé à Berthier, non. On restait à Saint-Justin, hein? Oh, Saint-Justin. Vous êtes Saint-Justin? Oui. L'imprimerie Gagné. Vous voulez travailler là? Ah oui. Ah oui, vous travaillez là. Oui. Alors, merci madame. On va passer à madame Fall. Ah, madame Fall, elle a bien des affaires à dire. Elle a bien des affaires. Elle a bien des affaires, hein. Elle a bien des vieilles affaires aussi. Mais moi, j'ai été mariée, on a fêté 40 ans au mois de septembre. Mon mari est décédé le 27 octobre. Ça va faire 13 ans le 27 octobre que mon mari est décédé. J'ai deux enfants, j'ai une fille de 50 ans et un garçon de 49 ans, et j'ai un petit-fils de 22 ans. Et puis mon gendre, bien, Madame Chose, elle connaît très bien. Madame Latour. Sylvain? Oui, Sylvain. Parce que c'est le frère de son ancienne bru. Oui. Fait que, tu sais, nous autres, ça fait longtemps qu'on se connaît. Alors, si vous nous parlez de votre fameuse fourchette, ah, mon Dieu, ça, c'est une fourchette pour prendre du spaghetti. Vous roulez votre spaghetti avec la fourchette. La première fois, hein, mais il y en a juste une, par exemple. Ouais, j'ai complètement oublié l'affaire quand ils ont parlé de le,
le show de le père, puis les rosoirs, puis tout ça. J'ai oublié, moi, quand mon père est décédé, ma mère est restée au domaine Bellevue, et c'est moi qui est allée chez maman tout de suite, la première, parce que moi, je restais sur la rue Montcalm en haut de chez Mirador Meneg, vous avez bien connu. Oui, oui. Et puis, ma belle-sœur est restée au domaine Bellevue, elle m'a appelé, elle dit, Muriel, viens-t'en tout de suite, elle dit, l'ambulance est chez vous. Fait que j'ai pris un taxi, je me suis rendu là. Et puis, mon père, c'est moi qui l'ai déshabillé avec ma mère, parce que M. Lemire avait ouvert la porte du bureau de poste à mon père à 11h moins 4, et à 11h moins 5, mon père était rendu chez eux, puis il a tombé à terre, puis il était mort. Mais ça faisait longtemps que mon père était malade, par exemple. Mais il y avait un paquet de cigarettes, et il appelait ça un compact en plastique, je sais pas trop, là. Non, il était pas en tôle. C'était en plastique, dans sa poche. Et j'ai gardé le compact à papa. Parce que moi, j'ai jamais fumé. Puis les autres, il y en avait qui fumaient, puis les gars, pareil. Ben, j'ai dit, moi, je vais le garder, le compact, puis j'ai oublié de l'apporter. Parce qu'il s'en faisait aussi en tôle, hein? Ouais. Puis il faisait des rouleuses. Il fumait des rouleuses. Puis c'est moi, ma mère a jamais fumé. Puis c'est maman qui faisait les rouleuses, mais à la main. Ah, maman a roulé toutes les cigarettes à la main. Elle a fait ça pendant des années. Mon père est décédé à 72 ans. Ça fait 32 ans que mon père est décédé. Êtes-vous la sœur de Robert? Oui. OK. Moi, je suis la deuxième. Et Robert, c'est le... Robert, c'est le septième. On a un photo de famille ouais. qui est dédié. Là, on est posé sur l'ancien pont Berthelet qu'il y avait à Berthier. Ça, c'est quand ma sœur Claire s'est mariée, mais ça, c'est toute ma famille. Oh mon Dieu. Ça, c'est mon père. Ça, c'est ma mère. Ça, c'est mon frère Michel. Ça, c'est moi. Ça, c'est ma sœur Gabrielle. Ça, c'est ma sœur Claire. Elle va marier à M. Dulude, parce que c'était en seconde noce, c'était en deuxième mariage. Ça, c'est ma sœur Françoise, ma sœur Sylvie, mon frère Robert, ma sœur Lise, et mes deux frères jumeaux, Marc et Marcel. Les jumeaux, ben oui, à calme. Montre-la donc, caméra, montre-la. Ah, non, mais ce que je trouve spécial, c'est que la photo en question, elle est prise au même endroit que la photo de mariage de Monique et moi. C'est dans notre salon chez nous, c'est sur le même pont. Ben oui. Ben oui, tout le monde allait. Parce que pour les réceptions, pour les réceptions. Ouais. Mais c'est parce qu'il y avait une réception, il était là. Ça devait être fait dans les années 60, cette photo-là, juste avoir la hauteur des coiffures des filles. Ben oui, parce qu'on est toutes avec des peignures hautes. Ouais, on a toutes des peignures hautes. La fin des années 60, parce qu'elle est en couleur. Oui. Ah, mais regarde, j'en ai des portraits chez nous. Mais t'es fait colorier? Non, je ne t'ai pas fait colorier. Là, celui qui est sous mon meuble de télévision, c'est le studio Marcel qui l'avait pris en 56. J'avais 17 ans. Le temps que vous regardez cette photo-là, M. Doucet, j'aimerais vous poser la question, j'aimerais vous rappeler un souvenir des prions à l'église. Ouvre le tiroir, prions à l'église. Les prions à l'église. Voilà, ouvre le tiroir. Oui, bien oui, moi j'ai fait mon argent là, les prions à l'église. Compte ça. Oh. J'avais à peu près 7 ans. Mon frère Pierre, bizarrement, a toujours eu 3 ans. On est 10 enfants. Trois années de plus que moi. Donc, lui, il devait avoir 10 ans. Je ne sais pas comment ça se fait, mais on a obtenu le contrat des prions à l'église. Il venait apporter ça le samedi soir à la maison. Puis nous autres, on faisait toutes les messes le dimanche, à partir de 7h30. On vendait ça 6 cents. Évidemment, il nous donnait toutes 10 cents. Fait qu'en vrai, dans la poche, on ne mettait pas 3 cents. Et puis, quand la messe était finie, on faisait le tour de l'église, on ramassait toutes les filles, on les revendait à la messe suivante. On les vendait 4 fois dans la journée. C'est ça qu'ils font même aujourd'hui. Ça, c'est encore. Ben oui, ça se vend dans l'église. Quand tu as fini, tu le mets là, la messe suivante, un autre va l'acheter. En tout cas, je me suis acheté un beau bicycle, mon premier bicycle, mon premier vélo, un vélo italien. Comment ça c'est ton premier bicycle, ma maison que t'as acheté après. Ça paye les brillants de l'église. Je m'étais acheté un bicycle. C'est vieux, ça. Oh. Merci. On dirait que c'est avant la...
Femme de tiroir. Avant la télévision. Oui, oui, oui. Avant la télévision. C'est dans ma sixième vie. En quelle année que ça pouvait avoir commencé, les brigands les disent? Avant ça, il y avait des bucelles. Ben, j'avais 7 ans, c'était en 1950. J'ai ça, une bucelle à la maison. Ah oui? Une bucelle, la prière de la Oui, mais ça, bucelle, c'est parce que... Tu peux avoir le brillant. Oui, c'est sûr qu'ils ne voulaient pas dépenser de l'argent, mais quand tu étais à Blot, tu achetais du brillant. Mais non, c'était la même prière qu'il y avait dans le ciel. Tu disais la même affaire dans ton ciel. Dans le zoom, il y avait des images. Tu détestais ceux qui arrivaient avec un gros ciel. Ben oui, c'est parce qu'ils achetaient rien. Ça, c'est son truc. Bon, madame Dufort, c'était beau. On a sauté des brillants de l'église, je ne sais pas pourquoi. J'ai pris la photo, moi, là. Ah, oh, ben, c'est parce que la caméra est allée vers Alain. Oui, allez-y, madame. Bon. Là, ça allait grand, là. On est 10 enfants là-dessus, donc on sera 13. Ma mère, elle a reviré un autre couple de jumeaux après eux autres, là. Puis un autre tout seul. On sera très. Mais ma mère, il faut vous dire, par exemple, il y avait 21 enfants chez eux. Ma mère, c'était la 20e et c'est elle qui est partie la dernière. Ça fait 3 ans au mois de février. 21 enfants. Quand il disait la famille de la Tour, à Berthier, les musiciens, ça, c'était tous les frères à ma mère. Ça jouait du piano, ça chantait, ça dansait, ça jouait du violon, de l'accordéon, c'était tous des musiciens. Mon père, moi, je l'ai connu, il jouait du violon. Mais quand il y a eu un accident de chasse, bien là, il a perdu 2 doigts. Parce que mon père, il avait ces 2 doigts-là qui. Ces 2 doigts-là qui étaient plus. Fait qu'il y avait juste 3 doigts, là. Okay. Un accident de chasse, il avait été à chasse avec, si je me rappelle bien, c'est M. Robidoux. Robidoux. Électricien. Oui, il avait été à chasse avec mon père, puis en traversant une clôture, bien le coup est parti, puis mon père, il s'est tiré dans la main. Il y a un doigt qui est parti complètement, puis l'autre, bien, il l'a coupé avec son couteau de poche. Puis il s'est en allé se faire arranger le doigt après. Ouais. Puis une autre fois aussi, il est arrivé chez nous pour souper. Il m'a dit, qu'est-ce que tu manges, Walter? Ah, il dit pas grand-chose. Il avait été chez le dentiste Pagé. Il s'est fait arracher les dents en haut, en bas, à froid. OK? Ça, c'était mon père. Tu n'avais pas mangé grand-chose, hein? Non. Mais... Ils disent que les Allemands sont assez durs, mais c'est vrai. Mais quand on allait à l'école aussi, on se faisait traiter de pas normal, nous autres. On était des Allemands, puis ça ne marchait pas. Mais ma mère, c'était pas une Allemande, c'était une Canadienne française, c'était une Nato. Mais Walter, oui. Il est arrivé à Berthier comment? Il est arrivé avec un de ses cousins, il avait 19 ans, et il ne parlait pas français. Mais à quelle année? Je ne sais pas. À peu près, oui. Papa, il est venu au monde en 1910. Fait qu'il avait 19 ans. 1929. À peu près en 29. Dans la crise. Ouais. Ouais. Il a commencé à travailler à aider match. Il a commencé, c'est lui qui était chimiste, qui faisait le soufre d'allumettes. Après ça, quand il a arrêté de travailler là, il était typographe. Puis après ça, il a travaillé à Melchior. Mais moi, je suis venu au monde à Berthier, par exemple. Toutes des affaires qui n'existent plus aujourd'hui. Oui, c'est ça. Moi, j'ai enseigné à Michel et hein? À Robert. Oui. Puis le jumeau qui chante? Oui, Marcel. Marcel. Bon, mais Marcel, là, je vais vous dire, il va avoir 55 ans le 28 de juin. Et ma fille, elle a 50 ans, moi, là. Quand ma fille a commencé à la polyvalente, mes frères jumeaux allaient à la polyvalente. Ah oui. Et j'ai au moment à la barre de ses petits-enfants, les enfants de ma soeur Françoise, qui est plus vieille que moi, là, elle a un gars qui était plus vieux que ses propres frères. Fait que c'est quelque chose. Vous étiez 11, hein? 11, on est 10 vivants. Non, mais sur la photo. Oui, mais il y en a un, là, Sainte-Marie à Claire, là. C'est au nord, à Claire. Parce que les autres, c'est tous les enfants. En tout cas, les filles étaient belles de ce famille-là. On n'était pas là, ça a l'air. Ce oui, mot-là. Cette valeur, dans le temps, on n'enseignait pas aux filles. Hé, monsieur le professeur. Dis-le, frère. Dis-le, frère. Ah, je prie Deutsch. Oh, je prie Deutsch avec la bouche. Non, non, je vous ai demandé si vous parliez allemand. Oh, non.
peux-tu compter une anecdote sur, sur ton père? Oui. Bon, moi, jeune, je travaillais à la boucherie. Dans le temps, chaque boucher faisait son abattage lui-même. Donc, nous autres, dans notre rue, il y avait M. Lafontaine qui était le boucher. Cul-de-bain. Cul-de-bain. Puis, il faisait boucherie. Puis, quand on avait fait boucherie, là, il disait, il prenait le foie, les rognons, le cœur, puis il disait, amène ça chez monsieur, chez Walter. Tout le monde l'appelait Walter, parce que c'était le seul. À l'époque, là, il n'y a pas... Il n'y en avait pas d'autres. Les abats, puis lui, il savait comment les faire. Puis j'allais amener ça chez ton père, puis là, je me souviens, il me donnait 25 cents. Parce que, disons, on, il les vendait même pas. Les abats, ils les abats, non, c'était pas connu, ça. Non? Ouais. Le foie de veau, là, il disait, non, non, non. Ouais. Puis ton père, ton père, lui, il savait ouais. Comment. Ah, mais je vous crois. En Europe, puis ça, c'est un... Dans une photo journal L'Action, là, mon père avait été à la ferme de l'oncle Paul, à l'exposition qu'on avait ici à Berthier, là, avec une famille d'Allemands. Tous leurs noms sont marqués ici, là. Et le monsieur, il s'appelle Hans de Boer. Son garçon, il s'appelle Jörg. Ça s'écrit J-O-R-G. Sa fille, c'est Anne. Il a marqué Anne, mais c'est Anna. C'est Anna de Boer. Puis sa femme, Hans, c'est Rosvita. R-O-S-W-I-T-H-A. Puis le numéro, le numéro, le nom de famille, c'est quoi? C'est de Boer. D-E. La Valtrie, ça? Non, non, c'est tous des Allemands. L'Allemagne. L'Allemagne. Oh, il venait d'Allemagne. Oui. Le monsieur, il mesurait 7 pieds, 6 pieds 7 et demi. Il se pencha pour venir chez nous. Il vit encore, lui, là, par exemple. Il s'appelait-tu Charles? Non. Non, mais il est grand, puis on est toujours en communication avec lui. Parce qu'il travaillait à bord des bateaux, puis quand les bateaux arrêtaient à Montréal, mon père y allait. Ma soeur Françoise s'est mariée avec un Allemand aussi. Lui, il s'appelait Joey Brinkman. Elle a eu 3 enfants avec lui. Il est décédé, lui. Elle a marié un monsieur Bellil, là. Votre père, là, est-ce qu'il a parlé allemand tout de même? C'est sûr qu'il a appris français, là. Il a appris français quand chez, mais chez vous, est-ce qu'il parlait allemand avec vous, des fois? Ben oui. Oui. On a appris bien des affaires en allemand. Moi, j'ai appris la chanson Lili Marlene en allemand. Ah oui. Puis pour la chanter, ben mon père, il me disait, faut que tu l'écrives de la manière que ça se prononce. Oui. Parce que sans ça, tu ne seras pas capable. Mais ça, l'allemand, c'est parler de la gorge. M'a dit comme on dit, puis j'allais chanter assez souvent. Est-ce qu'on pourrait en avoir un petit bout de l'île, Marlène? Ben oui. Oui. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steck sie noch davor. So wollen wir da uns wieder sehen, bei der Laterne wollen wir stehen. Wie Heinz, Lili, Marlene, wie Heinz, Lili, Marlene. Oh, à la 5 couplets. J'allais chanter au théâtre métro, j'avais 17 ans, j'arrivais première à l'Italie. On est à 29 concurrents. J'avais voté pour toi, moi. Ah ouais, ben je veux que tu le saches. Ça fait bien des années que je me cache, là, mais ça... Non, mais c'est quoi ça? C'est au métro, on était là. Le jeune espoir, là. Pardon? Au métro, ce fois-là. Il y avait souvent des spectacles. Ouais. Ah, mais il y avait des concours de chant. Concours de chant. J'ai chanté ça, j'avais 17 ans, moi, au théâtre métro. Puis, il y avait aussi des spectacles au théâtre oui. Métro. Oui. Moi, je me souviens, je pense que c'est Saint-Jean-Baptiste, quelque chose comme ça. Ça m'avait beaucoup impressionné parce que j'étais allé voir le spectacle. Il y avait les Sultans, oh, oui. Ginette Renaud. Oh, oui. Puis d'autres, là, écoute, c'était à côté de chez nous, là. Ouais. Mais il y en avait durant, puis il y avait des spectacles toujours après oui, aussi. Bien. Parce que quand les films finissaient, c'était souvent des films d'action. Ouais. Fait que là, on sortait du métro, puis il y avait toujours le bâton. Bâton! Oui, oui, c'était... C'était incroyable. J'aimerais ça qu'on revienne, parce qu'à cette oui. Époque-là, non, pas du tout, je serais pas sûr dans la même veine. À cette époque-là,
la culture se transportait beaucoup dans les petits villages, parce qu'il y avait M. Grimaldi qui faisait la tournée des petites villes de Québec, du Québec, avec sa troupe de théâtre, sa troupe de variété plutôt. Oui, variété. Jean Grimaldi, oui, il venait souvent à Joliette au théâtre. Ah. Puis, chez Rivard, là, ou à Pâle, c'est là que tu avais des spectacles. Oui. Régulier. Régulièrement, oui. Là, les gens de... Chez Rivard ou au théâtre métro? Aux deux, peut-être? Non, mais okay. Le théâtre métro, c'était un cinéma. Il y avait des spectacles, mais c'était exceptionnel. Parce que Rivard, à chaque week-end, il y avait des spectacles. Là, Tiblan Richard... Il y avait plus que des spectacles. Il y avait le photo night à tous les mardis soirs. Le photo night. On faisait un tirage. Ça s'appelait le photo night. C'était le gratteux du temps. Le mardi soir, c'est comme un moitié-moitié, si tu veux. Okay. Il faisait tirer la moitié des entrées. Ah. Le photo night, il appelait ça. Ah. Vous êtes donc bien jeune. Puis une autre anecdote, c'est pas une anecdote, mais c'est un fait dont j'aimerais qu'on parle à nouveau, parce que la semaine passée, on a parlé, mais la caméra est éteinte. C'est la question du collège où il se jouait du football américain. Est-ce que quelqu'un qui peut parler de ça, qui peut leur expliquer qu'est-ce qui se passait à ce fameux collège-là? Oui? Ben, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui veut. Mais moi, je suis allé là. OK. C'était un collège, ce qu'on appellerait franco-américain. C'est-à-dire que c'est un collège, c'est un high school. En premier lieu, c'est un high school. Ça, c'est unique au Québec, avoir un high school, surtout à Berthier. Et les Américains, les franco-américains, qui voulaient que leur fils ou leur petit-fils apprennent le français, ceux qui avaient immigré en Nouvelle-Angleterre, les envoyaient ici. Donc, tu avais des Marcelais, des noms semblables, mais américains. Puis, à ce groupe-là, qui était l'essence même là, des gens du collège, ils acceptaient des externes, dont moi, dont mon frère, qui on pouvait faire nos classes là. Également, ça nous permettait d'entrer en contact puis de les aider à apprendre le français. Parce que même la grande majorité des cours étaient donnés en anglais. C'est réellement high school. Là. Les Américains arrivaient, là, puis il y avait beaucoup qui n'avaient pas un mot de français. Les clercs de Saint-Viateur. C'est des clercs de Saint-Viateur. Puis, évidemment, avec toute la culture sportive que les Américains amenaient, c'est-à-dire le football, le baseball, tu sais, c'est des jeux qu'on a appris, mais le football, là, nous, on ne connaissait rien. C'est là qu'on a vu les... Puis, il y avait un club d'un niveau tel qu'ils jouaient contre les universités. Ils jouaient contre l'Université McGill, tu sais, un grand collège. Mais c'était des Américains, évidemment, c'est pas nous là, qui jouaient dans ça. Nous, comme je dis, on se reprenait l'hiver parce qu'on leur montrait comment jouer au hockey. Les grands Anglais embarquaient, puis ils n'avaient jamais patiné de leur vie, ça fait qu'on n'avait pas de misère à le montrer. Moi, c'était le collège le plus stimulant. Malheureusement, moi, j'ai fait 2 ans, là, puis le collège est passé au fou. Puis ça, complètement, ils n'ont pas reconstruit. Mais c'était, pour eux, c'était un pensionnat. Les Américains demeuraient là, c'était réellement un pensionnat. Nous, on servait un peu d'entremetteur parce que les jeunes, on amenait les lettres des gars. Mais c'était toute une mentalité haute, un choc là, réellement culturel qu'on vivait parce que, il faut le dire, là, les Américains étaient un petit peu plus avancés que nous au niveau sportif, au moins. Là, au niveau culturel, je ne dirais pas, mais au niveau sportif. Là. Moi, dans ce temps-là, je vais rattacher quelque chose avec ça. J'étais un petit cul. Puis, dans le collège, la culture américaine a toujours un peu de guerre là-dedans. Hein? Fait qu'il y avait un club de cadets, avec sa fanfare, le cadet. Puis, quand il faisait une sortie dans la ville, ça m'a choqué comme ça, avec la fanfare. Nous autres, là, on courait comme des malades. Ça y est, ça vient! Tous les enfants étaient sortis des maisons. Ils couraient dans la rue pour rejoindre la parade. Parce que si tu parles là, il y arrive-tu aussi, il s'en tourne. En tout cas, malade. On était malade. C'est ça, moi, tu connais pas ça. C'est ça, c'est une question que j'avais. C'était quoi l'influence de ce collège-là dans l'ensemble de la ville, à part les cadets? Chez les filles? Ben, les jeunes filles de Berthier. Mm-hmm. Ouais. Les jeunes filles de Berthier, ouais, elles sont aussi. On les retrouvait souvent dans les balles au mur le soir. Il y avait un jeu de balles au mur.
jeu de paume, là, qui était le fond du collège, c'était là que les rendez-vous se donnaient derrière. Derrière. Et nous, moi, évidemment, moi, c'était pas pris avec l'église. Les Doucet avaient pris le contrôle. Fait que moi, je faisais mon argent, c'est que chaque jour aux Américains pour amener les lettres, les contacts. On se voyait à l'église, puis ils disaient, oh, petit, regarde, il y a une grande blonde que j'ai vue. Ouais, je la connais, ma soeur la connaît. Puis moi, j'amenais la lettre que l'Américain écrivait à la fille, puis il me faisait payer pour ça. Ça revient gratuit. Hein. Les ingénieurs, c'est pas d'aujourd'hui qui aiment ça, des enveloppes. C'est là. J'ai commencé à transmettre les enveloppes, je suis deux, j'ai resté le temps. Mais tantôt, tu disais qu'ils étaient dans les universités québécoises, oui. Au football, mais est-ce qu'ils étaient de taille? Ah, bien sûr, ils jouaient, là. Ah, bien sûr. Oui. Ah, bien sûr. Parce que je me souviens, ils étaient allés voir des matchs de football. Ah, on jouait contre, je me souviens, l'Université McGill, là, tu sais, qui... Ah oui. Nous, on n'était pas trop bons juge parce qu'on connaissait pas ça. On connaissait pas ça. C'est eux qui nous ont fait connaître. Ben, c'est ça. Moi, monsieur, j'étais petit gars, moi aussi, puis j'allais, on allait le dimanche voir les matchs de football. Là, on comprenait rien à ce qui se passait, là. Mais on trouvait ça le fun. S'ils jouaient contre McGill, c'est parce qu'ils avaient un certain niveau. Ah, oui. D'ailleurs, on peut le dire, parce qu'Alain fait partie de... Je continue sur ça. Un peu initié au football par les Américains du collège, on a créé, quelques années après, avec Robert Rousseau, un club de football. Les Ailes Bleues de Berthier. Les Ailes Bleues de Berthier. C'est ça, pour en parler, là, c'est des heures et des heures de plaisir. Parce que, ben, je vais même compter un petit bout. Là, c'est Robert qui était notre chef. On dit, on se fait un club de football. Il dit, OK, mais là, ça nous prend des équipements. Robert, qui est un grand débrouillard, il dit, oui, j'en ai trouvé un collège qui veut vendre ses équipements. Fait que là, nous autres, on achète les équipements, mais on était tous à peu près des... Ouais, les petits gabarits. Les petits gabarits. Hey, moi, je me souviens, là, les culottes, là, je n'aurais pas embarqué quatre dans la même paire de culottes. C'est quelqu'un, là, moi, j'aimerais avoir des photos du temps. Puis là, c'est pas ça l'histoire. Là, un Robert qui aimait les défis, il dit on va aller jouer contre le séminaire de Joliette. Je comprends-tu, le séminaire, eux autres sont disciplinés, puis. Ils sont équipés, nous autres, on arrive, des beaux os. On a quasiment des chaudières qui se mettent sur la tête. On s'est fait dégeler. Je pense qu'on s'est fait, on s'est fait battre 60-0. C'était épouvantable, on n'a jamais touché au ballon. C'était pas la plus, c'était contre le Collège Notre-Dame à Montréal. On a joué même contre le Collège Notre-Dame. On a rejoué au football, les filles, vous jouiez à quoi ce soir? On jouait au ballon chasseur. Même le soir? Ben, pas, non, mais après l'école. Après l'école? Oui. J'ai joué longtemps, moi, j'étais avec Mylène Gagné. C'est son père adoptif qui était inspecteur à l'école. Ah, okay. Oh, il restait dans ma rue, lui. Oui, on était les deux meilleurs pour jouer au ballon chasseur. L'inspecteur Gagné. Je me rappelle bien de ça, moi. Mais quand tu sais, tu t'en souviens, est-ce qu'il. Ce qui a bien changé, c'est la jeunesse qu'il y avait. Tu sais, à Berthier, là, prends ton coin, là, les Rochelots, il y avait 30, 40 jeunes là, qui jouaient. Oui. Là. Puis là, dans ma rue, il y en avait avec les Destrams. Ah, bien, nous autres, 25, on s'était fait un clip de balle. Tu sais, il y avait de la jeunesse. Juste la famille chez nous. Dans ton coin, dans son coin. Il y en avait du monde. Il y en avait du monde. Fait que les jeunes, là, on jouait une partie de cache-cache ou de ballon, on était peut-être 30. On jouait sur la patinoire, des fois, là, 30 contre 30. Ouais, c'était pas des clubs de hockey normaux. Là. Puis, je me souviens, là, dans les années 60, là, il y avait un nom X de restaurant, ça a eu Frontenac. Là. Puis, tous les soirs, c'était plein. De Régal, de Bellevue, il y avait M. Destin, pas loin ici. Ouais. C'est là que vous alliez voir les filles? Oui. Oh, mais là, ça commençait à se déniaiser un petit peu. Mettons qu'on était rendu dans les années 60. Les Beatles étaient passés. Ouais, mettons que. Ils ne voient pas au docteur, eux autres, ils faisaient le docteur. non, mais écoute, il y avait une vie là, incroyable. C'était vivant. Tu sais, actuellement, là, un soir de semaine, tu passes à Berthier. L'été, il y a peut-être un peu plus de monde à cause de la crémerie. C'était le point qu'il y a un petit droguer à télévision. Mais tu passes à Berthier, là, c'est mort. Là. Dans le temps, les trottoirs étaient remplis.
Mais les écoles étaient au centre-ville. Ben, au centre-ville. Les familles aussi. T'sais, moi, dans mon coin, là, les Sylvestres étaient 8, 9, 10. Les Paul étaient 12. Les Brissons étaient 14. Mais des Rochelots, il y en a, mon des Rochelots, là. Oh mon Dieu, qu'il y en a. Il y en avait 15 ans. Les hauts, en tout cas. Tu sais, les cousins des autres. Alain Rochelot, il l'appelait Coquerel. Déjà, dans ma rue, il y avait 50 personnes. Ça, c'est tous mes cousins, ça. Il y en a des Rochelots, Vertier. Henri. Ben oui. Henri, Réal, Alain, Jacques, en tout cas, c'est tout apparenté. On est parti des familles de 12 ben de oui. À des familles de 1 oui. Et les rencontres, pour répondre à la fin, ça se faisait oui. Effectivement dans les restaurants. Dans les restaurants. Soir, là, au Régal, au Bellevue, ou ici. Oui. Et à mon avis, ce qui a tout brisé, c'est l'avènement de la télévision. Là, tout le monde avait sa télévision, tout le monde regardait son petit programme. Il n'y avait plus personne dans la rue. Puis là, Internet. Avec Internet. Accompli. De pire en pire. Non, mais Internet, c'est le nouveau trottoir. Tout le monde est sur Internet en train de se parler, se dire. Puis en même temps, il faut dire aussi que dans le temps, je pense qu'il y avait beaucoup plus de gens qui restaient ici parce qu'on avait tout ce qu'il fallait. Mais évidemment, compte tenu de la facilité qu'on a aujourd'hui à se déplacer, puis ça a commencé il y a longtemps, là. Ben, les gens, au lieu d'aller voir un spectacle au Théâtre Météo, ben, ils allaient à la Place des Arts. Pis, alors tout ça a fermé. Mm-hmm. Des matchs dont ben tu parlais, oui. Là, le temps de la guerre, il y avait 300-400 personnes. Ben oui. Là, la même chose, mon père, 200-300 personnes. Hey, on faisait vivre deux cinémas. Oui, le Royal puis le Métro. Ah oui. Deux cinémas, les fameux endroits qu'on a fait chez le Berthelet. Moi, j'ai travaillé chez Bien. Mon mari a travaillé chez Biron. Biron vient, il y avait. Biron vient, ils étaient toutes des belles voitures. Moi, 150 personnes dans chacune des deux cuisines. Oui, oui, oui. Puis il y avait l'autre hôtel, là, à Trac. L'hôtel Vincent. Chez Vincent. Il y avait chez le Beurre, tu sais. Chez le haut lieu de la culture à Percy. Chez le Beurre. Du Breuil, il y avait le Breuil. Dernière petite question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une anecdote, une histoire à raconter absolument? Dans les livres de Tempil? Non, ça va? Fait qu'on va terminer sur ça. Fait que vous pouvez continuer à parler librement des hôtels, des motels. Peut-être aussi montrer l'objet que vous avez amené. Oui, bien, il y en a bien qu'ils ont. On va en choisir un au moins. Mais là, la petite fille en face. La fourchette. Ah, fourchette. Attends, regarde. Ça, c'est mes pierres une fois. Tiens, prends ça. C'est mes pierres au foie, ça. Non, regarde comme ça. Regarde, c'est mes pierres au foie. Je n'avais que beaucoup. Ah, ben oui, j'en ai trois grosses. Ça fait 38 ans, regarde, dans ce temps-là, on porte le nom de nos maris. Hein. Regarde, c'est marqué Rochou. Ça fait 38 ans. Puis mon cadenas, ben, ça devient intrigué bien, en tout cas, il n'y a pas de blé. Ben oui, bon. C'est gros, ça n'a aucun bon sens. Oui, mais ils ont la petite, il était plus grosse que ça. C'est juste pour dire qu'il rentrait dans le bouquet. Achète pas, là. Il dure 6. Il dure 6, fait qu'ils ont comme écrit ici un peu. Ben, c'est mes pierres au foie. La fourchette, là, ça vient d'où, ça? Ben, c'est ça. Je m'en rappelle pas. Ça vient pas d'Allemagne, non? Non. Ça vient pas de l'Allemagne, mais je m'en rappelle pas. Mais ça, à la télévision, à un moment donné, ce genre de fourchette-là, Il y a rien d'écrit. Mais ça vient après. Ça, c'est Walter qui a inventé ça. Dans ma vie, c'est en Italie qu'on a inventé ça. C'est un homme qui a dans la tenue. C'est tenu pour qui dit ça. Moi, je n'avais amené une photo. Je vais la sortir. Une photo, là, oui. Non. Ça, c'est.
Non, c'est pas que je sois sûr de l'auto, mais c'est qu'on a eu averti un mouvement scout. Ce que je veux dire, là, moi je trouve ça, c'était, je pense qu'Alain peut le corroborer parce qu'il était scout en même temps, mais dans la veine de son frère, les plus beaux moments. Je comprends pas que les mouvements scouts, ça je comprends pas que les jeunes d'aujourd'hui qui ont notre âge, il y a pas ça là. C'est brillant, là. On a appris là à aimer la nature parce qu'on allait, imaginez des jeunes hommes, on allait là camper deux semaines dans des tentes puis se faire à manger nous autres mêmes. On apprenait. C'était les moments là marquants de ma vie. Aujourd'hui, ça, je sais qu'il y a bien des blabla. D'ailleurs, ils ont fermé le mouvement Berthier parce qu'ils avaient trouvé des gens qui prenaient de la bière dans le local. C'est ma cousine. C'est toi, puis je suis là. Il y avait la discipline. On vit ensemble. Apprendre à construire. On a appris à faire la cuisine. C'est parce que quand on allait, mais quand même, c'est nous autres. C'était pour le moment que vous avez ça.